I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly print. At the starting of the week, at some talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's more than Monday. Alors Vincent, vas-y, explique-nous ce que t'as changé vraiment sur ta caisse. Bon bah la caisse c'était une 206. Lire les mots et commencer donc par une trappe à essence aéro que j'avais fait faire donc l'année dernière, que j'ai enlevé cette année pour faire carrément donc une peinture les mots et surtout donc un beau travail de carrosserie. Donc il y a eu pare-choc, bas de caisse, extension d'aile, donc tout modifié, mais un gros bloc à l'avant avec aile arrière moulée dans les bacs, avec les bas de caisse ainsi que les ailes avant, et surtout donc un petit élargissement grâce à ces extensions d'ailes de 5 cm. Pare-choc avant, donc le seul pare-choc qui m'a plu sur tout ce qu'il propose pour les 206, un pare-choc type Audi RS4 et avec une calandre de Golf S5 GTI, donc RDX qui fait ça donc en Allemagne, j'étais l'un des premiers à l'avoir. Les bas de caisse, ils sont très connus, c'est des bas de caisse esquisse auto. Mais ce sont, je pense, à mon goût, les seuls qui dénaturent pas la ligne de la 206 en elle-même. Une peinture, donc, Nemo, que des jeunes donc, d'un lycée dans la Seine-Saint-Denis, des lycées Cugnot, donc à une lycée en Marne, l'ont faite pendant 3-4 mois de préparation. Avec une malle donc lissée intégrant les feux, donc c'était un détail très important à mon goût et ils l'ont bien réalisé. En particulier donc pour MLV.be qui ont permis à la NemoCar d'avoir ces belles jantes à déport de 8 cm. Pour l'intérieur, donc je remercie Carinus qui m'ont fourni donc ces housses pour les sièges avant, arrière et les appuie-tête. Moi, mon travail a été de faire les panneaux de porte et la boîte à gants au niveau similitude. Les plastiques intérieurs ont été peints donc précédemment lissés par des amis carrosserie où je travaille. Je remercie Jean-Charles au passage. Il y a une grosse intégration donc de LED intérieur extérieur. Donc géré par un réseau donc tout conçu par moi-même. Il y a à peu près 1200 LED et des Luxeons, donc les Luxeons que je vous laisserai découvrir pendant la nuit. Et sinon, je tenais surtout à vous présenter la Seat. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais Mathieu allait à Sangrois. Réalisé entièrement par Secure Concept. Alors là, avec une jante Infinity 18 pouces, des rétros M3, avec un aéro entièrement fait par Secure Concept, un aéro braguette, qui on peut retrouver également un aéro sur un coffre, avec un coffre réalisé entièrement à la main, avec deux sous-bouffeurs et un phaser. Avec des aspects éclairs, alors boucle de sortie pot. Après, vous avez l'intérieur en simili-cuir rouge et gris. Avec la braguette au plafond, réalisée par moi-même. Avec une petite déco officielle en diamant, réalisée par ma chérie.
C'est vrai qu'il n'y a pas trop de modifications sur la scène. En fait, elle est d'origine, j'ai juste repris. Faut que tu dises bien que, ce que c'est. Hein. Une voiture. Qu'est-ce que c'est une voiture? Moi, tu t'y prêtes? Parce que là, il va filmer. Là. Alors, je vous présente ma sœur qui est de l'eau. Allez. Et on commence. Donc, voici Mathieu, alias son grog. Donc, homonyme de Gardon et Dragon. Mais ça y est, il a pu niquer. Oui, il a pu niquer aussi. Et vous pouvez tout. Et vous pouvez retrouver nos voitures sur maxituning.fr. I'm not sure if they done or not, I'm not sure if they wanna stop, the gun is cold, the blood is hot, yeah.